Et les gens, bienvenue sur frappe-jeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Machiavellian, un jeu PC qui m'a été offert par Christ. Christ qui est juste là, l'autre côté, en haut, à droite, normalement. Et merci à toi encore une fois. C'est reparti. On va essayer de faire des miracles ou pas. C'est moi qui se presse, mais par contre. C'est lui. Lui. Là-haut, dans cette direction-là. Là. Nous partons dans cette direction-là, dans l'ombre, arrivé sur le chat. Moi, ça me coupe la main. Ça me coupe le bras. Non. Tout le monde se calme, les gars. Donc celle-ci, c'est celle qu'on est censé tuer en dernier. Non, non, non. Parfait, elle a été attirée ici, nickel. On va attendre un peu. Reste diverti, toi, s'il te plaît. Où est-ce qu'ils vont aller? Donc, normalement, lui va ressortir. Viens là. Voilà, là, s'il te plaît. Je sais pas si on a gagné ce qu'il fallait. Didoun a monté de niveau. Point de compétence, on n'a pas trop le choix de toute façon. Et on les remet tous au boulot. Voilà. De quel jeu? De Machiavellian? Alice qui à première vue n'a plus rien à créer. Et ça m'a toujours d'être le cas en plus hein. On a assez de rouages, on a assez de pierres. C'est surprenant. J'aime bien Machiavellian quand même. Malheureusement c'est un peu redondant, je pense que je ferai pas 50 parties dessus tu vois. Mais comme prison architecte, je pense qu'une fois que t'as fait une grosse partie, t'as pas forcément envie d'y retourner avant un très long moment. C'est le genre de jeu que t'es content d'avoir dans ta bibliothèque quand tu veux y revenir. Mais tu vois, c'est pas des jeux sur lesquels je passerai des heures et des heures et des heures et des heures, et puis quand la partie se termine, je recommence une nouvelle, tu vois. 100 jours de nuit, nous avons dépassé les 100 jours, d'ailleurs je ne sais pas quels sont les autres succès. Donc le jeu est quand même sympa, ouais. Je suis curieux de voir jusqu'où ça pourrait aller, en fait, mais... Il y a comme un léger arrière-goût, comme si t'avais déjà fait le tour, en fait, du jeu. D'une certaine façon. Alors que c'est pas le cas, hein, mais ça donne un peu cette sensation avec le temps. Il y a des gens qui sont censés miner ici, mais je sais plus s'il y a des gens qui minent dans l'équipe. Bah, on a deux. On a Christ et on a Stocky justement qui est là. Et ni l'un ni l'autre ne dorment. Je sais pas. Qu'est-ce que vous foutez les gars, s'il n'y a plus rien. Hein.
Il nous reste plus que ça à prendre, je crois. C'est combien qu'il faut? Mon chimie aussi nous en reste 2. 5, 10 et 5, 15. Comme ça, produire. Ah mais c'est parce que tous les pneus sont en train de dormir là qu'on est obligé de ramasser les affaires au ralenti comme ça. C'est quoi cette arnaque? Je suis pas d'accord avec ça. Message de là. Là faudrait que je passe à l'envers le truc à mon avis. Je suis sûr qu'il le dit à l'envers. Parce que chaque fois que je réponds au hasard, mais il y a forcément un truc. Ah, je peux pas sélectionner autre chose en fait. Ah! Waouh! Je crois que j'ai réussi à répondre le bon truc. Ce ne sont pas mes os, mais je ne dirai rien à personne. Je ne le dirai à personne. Oh, c'était classe! J'ai réussi! Sans même comprendre une seule seconde ce qu'il disait. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Vu que j'ai eu chaud, j'ai les oreilles rouges. C'est rigolo. Mes oreilles ont chauffé. On a que pour 6 jours de nourriture, j'ai l'impression que c'est tellement peu. Ah non, il est parti découper des morceaux de cadavres encore. Il y en a qui sont toujours en train de dormir. L'équipe a envoyé ce qu'il faut là. Il y a toujours personne qui est venu miner ces trucs là. Hein. En même temps, tous les deux, ils sont là. Et Stocky qui dort. Donc il va pas aller faire le reste du boulot. On va voir. Et bon, là, ça commence à devenir redondant, mais c'est parce que je n'évolue pas aussi. Je ne cherche pas à aller plus loin pour l'instant. Et peut-être que j'y aille, parce qu'on a quand même pas mal de ressources en termes de bouffe. Donc il est peut-être temps d'agrandir la maison. Je sais même pas ce qu'ils font, parce que d'un seul coup, vous voyez, ils posent tout par terre, et puis ils se barrent. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Quelqu'un m'explique?
victims are coming. C'était limite, hein. Très limite, je pense. D'un peu plus, et les victimes étaient là. On a 2200 Devilium, quoi. Et par où vont-ils arriver? Telle est la question. Tum tum tum. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Ah, ça y est. Ah, mais il y a du sang par terre, bah ouais, les gars. Qui c'est qui a pas fait son boulot là encore? Il y a du sang dans toutes les pièces. Ils vont rentrer, ils vont prendre peur, ils vont se barrer. Qui c'est qui est tâche, qui doit faire le ménage? L'avenir, ils le feront parce que là, c'est tout sale. C'est dégueulasse. Ils vont être trop longs, les autres vont ressortir. Non mais... Ah mais non, mais... Attendre que lui se barre et retourne, voilà, et attaquer. Ah. Comment ça se fait qu'on ne gagne que 50? La règle 2 peut passer, hein, apparemment. On va les remettre au boulot. Coucou, je suis la psy. Un moustique alors que dans 30 minutes, je me lève pour bosser. Oh, ça va, dans 30 minutes, ça va. Si t'avais été levé il y a 3 heures, ça serait un peu problématique, ou 2 heures. Ça va aller. J'espère que le moustique est mort après ce qu'il t'a fait. Comment vas-tu? Et tout le monde râle, tout le monde est parti bouffer. Bon, en même temps, si vous faisiez votre travail correctement, bande de schtroumpfs. Alors, Adrien, il est où? Il est là, parce qu'il a monté de niveau. Attaque, point de compétence, c'est quoi ça? Aide, distance, psychique, c'est quoi? Ça peut être intéressant, ça. Tum 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 tum. On va couper la caméra deux secondes. On va ouvrir un pot de quelque chose qui sent bon. Plonger la cuillère dedans et dire c'est bon. Merci madame. Ça se trouve c'était pas un vrai moustique, c'est un fantôme de moustique qui fait le bruit d'un moustique mais qui n'est pas un moustique. C'est possible. Qui dorment. Est-ce qu'ils ont au moins pris le temps de tout nettoyer? Il y a encore du sang là par là. Je trouve ça anormal, moi. Faut qu'on fasse encore 100 victimes. Bon là, par contre, la prochaine fois qu'on meurt, je pense qu'on continuera pas la partie, on essaiera l'autre jeu. Un autre jeu, pardon. Un bon gros Frankenstein. Parce que 2000 points de vie, ça le fait, quoi.
docteur Frankenstein. Je sais pas ce que ça vaut ce truc là. Hein. Bienvenue à toi, oui, toi qui viens de t'abonner. Salut les gags, ça a été de retour. J'espère que tu t'amuses bien. Et tous ceux qui font de la bouffe, je crois qu'ils sont partis dormir. Non, ils sont où? Où est Zaé, par exemple? Zaé est en train de retourner dormir. Donc on a plein de bouffe, elle va pourrir parce que... personne ne se bouge pour elle. Christ, il peut rien faire de plus. J'ai l'impression qu'on est en stand-by là dans le jeu en fait. Y'a rien qui presse. Y'a toujours personne qui a miné là-bas. On verra bien si c'est mieux. Hein. Voilà au moins qui va miner. Christ. Ah non mais Zaï c'est le boucher, je suis bête. Celui qui doit miner c'est Stocky et Christ. Enfin, ceux qui doivent miner. On est en termes de recherche 9-4. C'est pour encore gagner. Hein. Par moi de rien s'ennuie. Plaques, il y a des machins, mais il se passe quasiment plus rien. Et Lulu. Bah ça va bien, oui, je m'amuse bien sur le jeu. Ça se passe plutôt bien. Écoute. Il y a un arbre qui vient de popper, effectivement. Faudrait que je regarde un peu s'il n'y en a pas d'autres qui pop ailleurs. Parce que là, on venait de miner. Plutôt bizarre. Bon, au moins, on n'aura pas de victimes aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. On a assez pour survivre, et de toute façon, personne ne ramasse rien. Ouais, si, le jeu est sympa. Faudrait juste que j'avance un peu plus loin, mais j'ai peur qu'en avançant plus loin dans le jeu, on prenne trop de risques, en fait. Comme si on n'était pas encore assez stable pour réussir à faire ce qu'il faut. J'hésite vraiment. On va essayer d'avoir un monstre de Frankenstein. On verra bien ensuite comment ça va se passer. Mais je suis curieux, j'aimerais bien savoir ce à quoi ils peuvent servir. Ils ont 2000 points de vie, donc ils ont forcément une raison d'être intéressante. Et paf, 10 000 pièces d'or. C'est bien qu'on puisse définir si une porte peut être ouverte par les monstres ou pas. Genre vous pouvez passer par là, vous ne pouvez pas passer par là. Ça pourrait être pratique. De construire des sortes de couloirs où seuls les monstres peuvent passer. D'ailleurs, il faut combien pour construire une porte de ce style-là? Porte cachée. On a largement assez de ressources normalement. Ouais. Et ça donnera du boulot à Alice en plus. Parce qu'Alice doit sérieusement s'ennuyer, je pense. Je sais pas où elle est, ce qu'elle est. Allez, Wallis, elle est là. Elle fait de la recherche. Ok. On va voir. J'ai encore soif, moi.
Hop là. Elle reste un ici. Je pense pas faire rediffusion ce soir sur ce jeu. On est déjà à 7h20 de live. Je pense qu'on va y aller plus tranquille et qu'on va couper le live après. Celle-ci. Là, il sera bientôt 6h du matin, ça va faire vite quoi. Ça va passer vite, pardon. L'avantage, c'est qu'au moins, là, nous n'avons personne qui vient nous embêter. On va pouvoir livrer les publicités pour le lendemain. Faudrait que je regarde combien chacun fonctionne dans le stock là. Cette bois, mais on va essayer de penser. Il y en a un qui est Alice, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est pas bien? Loyauté. Il y a le sommeil qui doit baisser. Sauce, couper du bois, toc. Construction, pièce, on va mettre une porte comme celle-ci. Ah non, je suis bête, il y a le truc. Comme ça, on verra bien ce qui va se passer. Et on aura la possibilité de se déplacer dans ces couloirs-là pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Bonne nuit Lulu. Fais de beau rêve, prends soin de toi et puis merci d'être passé encore une fois. Merci à toi. J'ai l'impression qu'il y a plein d'arbres morts ici qui sont... Peut-être que j'avais coupé ça. Ici. Donc pourquoi s'embêter? Et qui construit normalement? On a que deux qui construisent. Et Alice, c'est toujours pas bien, pourquoi? Ça va pas être joyeux ça. Faut que je mette une réserve de bois dans le coin. Au
pire, ce que je peux faire, c'est construction, n'importe quelle pièce, toc. Histoire que c'est un peu plus propre dans le bâtiment. On leur a demandé quand même pas mal de construction en peu de temps. On va ramasser tout le monde ici. Plus loin par là. Parce que le temps que les victimes arrivent, ça va être un peu le bordel. Crypte, offre d'emploi. Alors, nous avons Faustino. Et Christina. On verra bien après, hein. Victims are coming. Je crois que je fais une bêtise. Non, c'est bon, ils arrivent de par là. Parce que je me dis que si Christina, elle arrive de l'autre côté là-bas. Non, c'est bon, elle est vert. Vas-y, il y a tout d'acquisition qui déconne. D'accord. Merci pour la précision. Parce que j'avais un doute quand même. J'avais... Mais ça se pense. Ça, je pense que ça sent quand même un peu que je suis un peu. Il y a deux, trois choses qui me titillent là et. Mais du coup, faudra que j'aille voir. Bon, on sait que la personne vierge est ici. On va attendre que les autres s'installent dans un coin et on va les trucider. On va laisser les autres partir. Mais merci pour le geste, Christelico. On va attendre que les deux se barrent là. Ah. Ok. Donc normalement c'est la Vierge. Et la règle c'est tuer la Vierge en dernier. J'ai gagné que le truc plus 50. Alors qu'on a bien vu tout ce qu'ils nous ont demandé, hein. Ils auront fait ménage, ça c'est fait. Alors Christina n'a aucune tâche, on va lui mettre ceci, ceci, ceci. Ah, elle a que trois options d'ailleurs, d'accord, ok. Par contre c'est vraiment le tank, hein. Vraiment le tank. C'est à partir de combien? Au-dessus de 80?
qui sont heureux. Arya n'est pas heureuse non plus. Parce qu'à la fin, on est parti dormir. Je sais pas du coup. J'avais dit que je construirais un... C'est la nuit, la lune. Est-ce qu'un signe de fin des temps? On espère bien. Pendant 48 heures, tous vos serviteurs maléfiques gagneront plus 100 d'expérience de plus en s'entraînant ou en combattant. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fait de ça de l'entraînement? Ça. Finesse, ça va être tellement long avec ce personnage. Ça va vraiment pas être pratique. Regardez, j'arrive à toute vitesse. Surtout qu'elle peut pas construire. Comment elle s'appelle, Christina? On peut même pas voir à marchant sur la route. Marchand de quoi? Christina, elle s'appelle. Il a plus de lit, lui? Où est son lit? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a un truc qui a supprimé son lit ou... Comment ça se fait qu'il dorme par terre? Où est passé son lit? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que quelqu'un a cassé son lit? Est-ce que... Après un certain nombre d'utilisations, il se remet à zéro? Je sais pas, c'est bizarre. On a tellement de sang qu'on sait pas quoi en faire. En tout cas, ils sont vraiment pas pressés de construire. Hein. C'est pas une raison. On s'étire. Aïe. Je me suis fait mal. Alors. Ça y est, c'est reparti pour de la construction, nickel. Faudrait que je vous montre le nombre de... Comment dire ? Maléfique dans le décor. Alice qui est toujours mécontente de ce qu'elle fait. Tiens, il y a un arbre qui vient de pousser juste ici, je crois. Tous ici.
Victims are coming. Ouah, s'ils viennent de par là, je suis dans la mouise. Coup de bol, je crois qu'elles viennent de l'autre côté, les victimes. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on saura qui est le vierge. Ah bah c'est lui. Elle. Le dentiste. À première vue. J'aimerais bien qu'ils aillent plus vite en fait quand ils se déplacent. Parce que là ils traînent en longueur pour décider dans quel bâtiment ils vont. Je sais pas si on peut faire comme dans les jeux stratégie où on peut décider d'un groupe et le faire contrôle 1 par exemple pour dire vous serez le groupe numéro 1, vous le groupe numéro 2, etc. pour envoyer les gens et les répartir dans la base. Peut-être pas mal en fait. Ça a aucune indication supplémentaire. Allez, c'est parti, faisons le ménage. Elle a rien vu passer. Le niveau de suspicion augmente, hein, forcément, mais... Ah mince. Mince, j'ai laissé partir la Vierge. Ah. Pas de bol. Ah, je pensais que j'allais être... J'ai trop hésité. Restocky. J'arrive pile pour la fin, à moins que ce soit depuis un petit moment, mais je vais m'arrêter là, je suis un peu à bout de souffle. Continue à poser des murs à droite à gauche. Comme dit, je pense que on va se stopper là. Bien fatigué. Ben, je sais pas si c'est fatigué. Peut-être que je me suis tendu petit à petit au fur et à mesure du live. Parce que si on se détend, la voix change aussi. Voilà. On va parler comme ça jusqu'à la fin du live. Le truc qui sert à rien. Mirage a monté de niveau. Point de compétence. Dire ou attaque.
non, pas les héros. Pas les héros. Pas les héros. J'ai plus envie. Non mais, pardon. En plus, j'ai réveillé tout le monde, du coup, mais quelle quiche. Bon, c'est peut-être le moment où tout le monde doit remourir. C'est ce qu'il y avait x2 expérience, c'était cool. A plus Christ. Non, c'était pas ça que cherchait Stocky du coup. Qui attaque ici, mais on sait pas qui attaque quoi. J'ai personne ici. Ils ont dû tomber sur quelque chose qui avait rien à voir parce que. Ça a dû se terminer parce que je vois plus personne. Il y aura des gens là dans le coin là ici. Route bloquée, ouais! J'attends juste un petit peu pour voir comment ça va se passer vis-à-vis des héros parce que s'il y en a, je sais pas s'ils sont partis ou quoi en fait. Ils ont dû partir parce qu'il y a personne. Je vais quand même vérifier. Non mais je sais pas encore ce que je vais faire en fait. Ah bah si les blas, tout le monde stop. Barrez-vous par là. Mais il est où le pneu là qui est en train d'en prendre plein la figure? Attaquez-moi, c'est brut! On voit rien. On sait pas qui tape sur quoi. Y'a rien qui monte de niveau. Bon, c'est un peu bizarre. Pas très très longtemps, il me semble. Point de compétence. Continue là-dessus. Point de compétence. Continue là-dessus. J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait aussi les points de compétence. C'est très bizarre. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là ici pour ce soir, comme je le disais. On va, hop là, fermer tout ça. À presque 8 heures de stream, donc un peu moins que les jours précédents. Mais là, je crois que j'ai plus vraiment le mojo. On reprendra ça demain. Du coup, merci à vous tous d'avoir été présents pour cette rediffusion. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, ciao tout le monde, salut!